Bonjour à toutes et à tous, magnifique musique d'orgue pour commencer ce nouvel épisode. Comment est-ce que vous sentez les gars? La bagarre. Voilà, chaud voilà. Comme des baraques à frites. Petite information. On est sur l'épisode 69. Let's go. Ah bah c'est nous qui allons nous faire enfiler. Normalement c'est donnant. Ah ouais. On reprend avec la musique de Raphaël, c'est trop bien. Mais moi je l'ai pas, ça me saoule. Bon. Tu as mis déjà, on va commencer par buter quelqu'un. Tu veux pas buter un pilier? Ah oui. Moi je peux tenter de défoncer les piliers s'il faut. Je vais me reculer un peu et je vais aller taper les piliers petit à petit. En plus c'est con parce que toi vu que tu fais du dégât contondant avec ton bâton, tu leur fais double dégâts. Oui mais Katox aussi en lui tirant dessus. Tu vois Katox il vient de lui faire 60 de dommages là. La je vais lui faire un hex en dex, si c'est bien ça non? Si tu veux, c'est pareil, Arda balance leur des missiles magiques ou du machin, ou désintégration, ou machin mal... Voilà. Mais ça sert à rien dex parce qu'il réussit automatiquement tous ses jeux de sauvegarde en dex. Ouais, la dex c'était peut-être pas... Bah je modifierais alors. La force ça aurait été bien parce que il fait des jets de sauvegarde de force contre mes trucs. Il a combien de cons? Consti 17. Ah, j'ai la musique, enfin. Ah. Il est stun. Eh bah, voilà. C'est pour ça de gagner. Mais je sais pas si quand il est stun, il a quand même son AC donc. Oui, mais quand il est stun, il joue pas. Oui, c'est oui. Je t'avoue, j'ai fait un choix assez simple de si je peux le stun et qu'il joue pas, même si je lui fais pas de dommages, c'est bon à prendre. Après ouais, peut-être que moi je vais essayer de clean les cambions parce que c'est pareil les cambions, Bah c'est pour ça que j'en ai tapé un, tu vois, je me suis dit bon, je vais me foutre là. Ouais mais je... Ah il y a lui aussi, c'est vrai qu'il y a l'autre... Ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Oh yes, il me fonce pas dessus, let's go. Non. Ça va. Ouais alors je sais pas si c'est une meilleure idée que... Mais comme Hope elle passe en dernière, elle va se faire OS en un seul tour. Hein. Ah mais c'est pour ça, je pense que je vais aller sur le cambion là, moi je vais essayer de tank les trois qui sont à gauche. Ça, mais ils vont jouer avant. Attends. Non, il y en a deux qui jouent avant. Ouais bah c'est... Ils ont combien de PV ces machins là? 124. Ah ouais là c'est... Voilà, là on... Ah bah là on est sur du vrai combat quoi, c'est... on est pas là pour niaiser. Oh oui, ça l'a fait qu'on descende à combien là? Hop. 25. Donc tu vois, deuxième, 23. 22. Non, il était à 27. 22, 19 et 16. Bon, en vrai 16 il est éclaté. Hein. Enfin, on s'entend, hein. Quelqu'un qui a 600 PV. Voilà. Bah peut-être parce que justement ils se doutaient que t'allais tout réussir. Je sais ce que je vais faire au prochain tour avec mon truc d'eau. Hein. Je vais mettre un petit heal. Putain c'est vrai, t'as un healer avec ta merde là, c'est incroyable ça. Ah y'a Hope aussi qui est là pour soigner. Bon bah ultra bagarre. Ultra bagarre. Ouais bagarre. Parce que on soit clair, je vais me concentrer sur Raphaël pour le stun à chaque tour. Oh merde, mon amulette, putain, ça a pas marché. Hein, quoi? Ah non, ça marche pas. Bon, au tour prochain, on utilise ça. Ah, mais c'est 3 tours, c'est pas assez 3 tours. Ah merde, je peux pas me mettre en forme géante. Ah, c'est con ça. Oh, et bien. Le retour du nain géant. Non. Non, on n'a pas fait de le repos avant de venir, ou alors j'ai claqué sur un autre truc, mais en tout cas je l'ai pas là. Bah go hein. Putain. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais bon, je vais le... C'est fait. Oh lui. Il trichote.
Voilà, ça c'est fait. Si tu peux essayer de m'en laisser un pas trop... un peu amoché mais pas mort. Ouais. Je vais essayer. Ah parfait. Et bien là, il a tendri. Ça me bat. J'achète. Il est tout mou. J'achète. Oui, oui, c'est bien. Allez, j'ai compris. Heureusement que t'as plein de PV, hein. Bah, en vrai, oui. Moi, je t'avoue que c'est... la concentration, je m'en bats les couilles, mais c'était surtout genre... gagner 70 PV, c'est clutch de ouf, quoi. Bon, j'ai mis un pilier mid-life. Eh bah, c'est pas mal. C'est good. Non, attends, t'as mis un pilier mid-life et t'as buté l'autre, hein. Oui, mais l'autre, parce que je l'ai utilisé avec mon Myrmidon. Oui, mais c'est tout rare. Myrmidon, il est là parce que t'es là, hein. Non, engage pas de sort, hein. Tu fous zéro, bravo. Bon. Non, c'est bon. Bon, hop là. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Pour être soigné, non? Se cacher, loin. Ah ouais, ça c'est bien, et te soigner, ça serait pas mal. On va le mettre là-bas. Un petit soin des blessures. Mais je vais le toucher. Soin de groupe. Pas besoin, notre guérison de groupe, pas besoin. Bon, je peux faire un. Ça me paraît bien ça. Et toi quand même. Oh, bah, voilà, parfait. Bah, c'est bien ça. Une bonne chose de faite. Bah, du coup, je vais peut-être pas utiliser mon Myrmidon pour healer, hein. Je vais peut-être utiliser mon Myrmidon pour faire quelques dégâts. T'as quand même besoin de heal quelque part. Ils sont pas résistants à la flotte, hein. Bah, je pensais surtout utiliser sur les piliers en fait. Non, en fait, je sais pas ce qu'il peut faire donc. Il fait des dégâts de flotte. Bon. Ah, par contre, c'est vrai qu'il y avait un mec invisible. Ah, je peux peut-être avancer si il a le choper. Il est devant. Mais je croyais que Katox voyait l'invisibilité. Bah, ouais, mais il est devant où le... Il est où? Ah, il était genre là. Ah, oui, donc je suis censé le voir. Oui, il est en train de te souffler dessus là, avec son souffle nauséabond, mais... C'est ça. Il jouera pas au tour prochain, après. Oh putain, voilà. Trop bien. Ah ouais, bah c'est bon, on va pouvoir clean la map et lui tomber dessus après. Bah c'est un peu, c'est ce que je me dis, hein, qu'on soit clair. Ah là, bah c'est super bien. Bon, je vais tenter 3 Eldritch Blast sur le pilier entamé, peut-être ça va le terminer. Ça va plus que l'entamer, parce que tout à l'heure t'avais mis 60 de dégâts, hein. Ouais, mais faut que je fasse des bons jets de... Ok, bah vas-y. Là, vaut mieux buter les trucs plus qu'autre chose. Oh, un PV, t'inquiète, on va s'en sortir. Attends, avec un peu de chance. Voilà. Voilà. L'enfer. Let's go. Ah, plus que 20... Ah, 24, hein. Il en a pas perdu autant, là. Il a perdu que 1 d'AC, hein. Par contre, on a des... Mais c'est toujours ça de gagner. Oui, ah bah clairement. On ne dit jamais non. 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 Il a dit non. Alors qu'est-ce qu'il a? Ah! Ça c'est pute! Salaud! Ça va, t'as bien fait. Franchement. Oh, je l'ai mis à terre! Oh, allez! Le t'es clutch parce que clairement, sinon, Katox tu serais mort. Il te restait 32 PV. Oh, je propose que je marave lui et après je vais aller péter Yurgir. Ouais. Ou alors direct sur Gear, je sais pas. Bah. Moi je suis chaud si tu peux taper Urgir, mais taper une fois le Cambion qui est à côté de moi là. Ouais, bah de toute façon, celui qui est à côté de moi il a utilisé son attaque. Ouais. Non mais j'aimerais bien qu'il me fasse baisser la concentration là, ça serait bien. Attends, Attends, il faut pas que je le tue? Ouais, faut pas que tu le tues, mais ça serait bien que tu la moches. C'est bien. Un petit coup encore. Non, là je. Là je lui. Je lui fais minimum 35 de dégâts donc. Ah ouais, non, bah c'est. Ah bah excusez-nous. Excusez-moi, monsieur. Bon, bah je pense que Urgir il est mort. Bah ça c'est fait. Je peux encore taper. Bah tape le dernier Cambion là, non? Y'en a un près de la porte à 102 PV. Ah merde. Bah par contre, qu'on soit clair, c'est le dernier tour où je vais pouvoir stun Raphaël au tour carré.
Non. Plus de qui ou plus de quoi? Oh, Urgir, il est mort. Plus de qui, en fait, j'utilise du qui pour le stun à chaque fois. Donc... What? Quoi? The fuck? Ok, tiens, je vais faire un petit. Le mec, il vient de me faire. Il vient de me défoncer, quoi. La définition est mal, il vient de te faire mal. Bah, clairement, genre. Attends, c'est combien il m'a fait? 19 into, re-19 et 16. Ouais, vas-y, c'est bon. Hein. Oh, je suis trop loin! Le je peux pas taper sur les piliers. Le summum. Bah, t'as pas un petit blink là? Foulée ombreuse là? Des petites foulées brumeuses là, hop. Le pilier qui est de côté de toi, tu peux lui barave la gueule? Bah, essaye de le finir hein. Faut partir du principe qu'il faut qu'il meure hein. Si je peux faire 12d6. Attends. 12d6 plus 6 de force. Ouais, ça va quoi. En gros, c'est 1d6. Ben, c'est, t'as combien de cibles dans ton 12d6? 6. En gros, c'est 2d6 plus 1 par cible. Donc, c'est minimum 3 de dommages. Mais bon, ça t'aide pas trop quoi. Bah, de toute façon, si je peux peut-être toucher. Non, il est trop loin. Ça me fait chier. Ouais, attends, mais tu peux taper. Mets un dans le cambion qui est à côté de moi là. Un dans le cambion qui est à côté de toi, ok. Celui qui a perdu des PV, hein, faut la faire. Ouais, mais je suis quand même. Tu sais pas quoi faire de tes trucs en trop, je veux dire. Je préfère m'assurer de la chute du pilier. Il est là, Raphaël, bien assuré. Ouais, il est à 22 maintenant d'assez, ça va être. Ça commence à devenir faisable quoi. Ça, Hope, style live hein. Ouais. Hein. Ah, si t'as un soin de Hope d'ailleurs, je suis pas mécontent, je suis pas. Je vais essayer de bien la placer. Parce que c'est vrai que son soin de tout à l'heure c'était clutch. Hein. Je pourrais mettre un soin aussi avec mon Myrmidon. Hein. Oh, bah, de toute façon, tout ce qui. Oh oui. En vrai c'est incroyable hein. C'est vrai que c'est maintenant que le healer devient bien et c'est clairement pas avant quoi tu vois. Oh mais je dis oui. Bah oui mais je pense franchement que le healer il est vraiment utile quand tu fais des parties où tu peux pas te permettre de mourir. Où le nuke comme on fait d'habitude ne fonctionne pas. Tiens, là le healer fonctionne. Ouais mais regarde, on n'aurait pas eu la phase de burst, si j'étais resté healer, il n'y aurait pas eu la phase de burst d'avant et j'aurais quand bien même essayé de vous soigner. Je pense que j'aurais claqué tous mes hauts spells pour vous soigner et... Je sais pas. Hein quoi? Oh putain, ça soigne les ennemis. Oups. Ah, ça y est. c'est pas grave, je l'ai tué avant le gars. Donc tout va bien, on s'en fout. Les autres, ils n'avaient pas perdu de PV de toute façon. T'arrives à... Ah ouais, non, tu peux pas. De quoi? Non, je réfléchissais à un truc, mais c'était une mauvaise idée. Bah, moi, tu sais que les buter, c'est pareil, ça me ramène une action aussi supplémentaire pour mettre du dégât, donc. Oui. Je l'ai pas eu à ce tour-ci, mais au prochain tour, je pourrais l'avoir. Attends, il a combien là? Ah, ouais, il a 22. Non, mais le problème, c'est pas tant de le toucher, le problème, c'est qu'il faut qu'il. Voilà. Oui, je me suis dit qu'on peut commencer à le taper là, ça serait déjà pas mal. Bon, bah je peux plus. Oh, putain, mais je suis trop con, pourquoi j'ai utilisé ça? Oh, j'ai mal joué. Attends, il fait quelle taille lui? Bah, ils sont tous taille normale. Il est diaboliquement fort et il est menacé. Alors, je regarde si mon arme. Ouais, ça fait à peine plus. Mec en flat il fait 40 quoi. Ça, il fait flat 40, salut. Il est trichot, ouh. C'était un dernier coup, voilà, il sera fait. Allez, voilà. Attendez, c'est pas fini. Ah, oh, damn it. Ah, ah ouais, parce que j'étais là, comment ça il esquive, mais parce que du coup tu joues après lui.
On peut enlever de la concentration d'une manière ou d'une autre? Genre je peux décréter d'arrêter de concentrer sur un sort? Ouais, normalement si tu cliques... T'as une petite croix au-dessus de ton truc. Moi perso j'ai Ace, donc le prochain tour je fais dodo. Hein. Et bah, voilà, le dernier pilier, on lui a dit au revoir. Ah, d'ailleurs, c'est qu'au prochain tour je balance. Attends, attends, ouais, je vais me barrer d'ailleurs du cac parce que sinon il va me taper en critique donc. Hein, quoi? Ouais, bah ouais. Bah, après, bon. Ouais. Il t'a loupé, tout va bien. Ah, mais je crois qu'il était stun. Ah, d'accord, il est pas non, stun. Non, il joue. Mais non, tu joues après. Arda, tu sais, t'as encore du mouvement? Oui. Tu sais, te décaler un tout petit peu plus près de Hope. Ah, par contre, c'est marrant parce qu'il est pas passé de 22 à 20, il est passé à 21. C'est bon, c'est bon ça, bénédiction. Pendant 10 tours. Ouais. Oh, 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 mais quelle histoire ça! Incroyable ce personnage! Et ça se passe mieux que contre le vampire. Attends, mais tout à l'heure, t'es en mode, on était en mode, non mais elle sert à rien et tout. Ah, elle a des sorts qui sont pas si nuls. Hein. C'est, tu peux jouer, Arda, t'as pas passé ton tour. Pardon, excusez-moi. Bon. Alors attends, tu m'as dit que manifestement je dois pouvoir d'une manière ou d'une autre arrêter la concentration sur un sort. Bon, ouais. Le listing, tu vois l'icône de ta classe en bas à gauche. En bas à gauche, ouais. Ah oui! Oh, je l'ai, bien vu. Pourquoi je peux pas le lancer? Mais et après, t'as pas besoin de décaster un sort pour en recaster un autre qui demande de la concentration, ça va juste écraser le sort d'avant. Hein. Bah, je sais pas, ils voulaient pas, ils veulent pas que je le lance, mais pourtant on a fait un long repos dans le dans la flotte là. Non, c'est un court repos. Non, c'était un court repos. Ah. C'est pour ça que les armes étaient pas rechargées. Bah dommage, je viens d'enlever. Bon, c'est pas grave, après j'en ai pas besoin. Bon. Tu crains un truc du con? Pas vraiment. Hein. Bon bah, c'est quoi ça? Je sais pas à quoi ça sert, mais dans le doute. Il est transi. Il est vulnérable aux dégâts de froid, mais résistant aux dégâts de feu. Ah oui, merde, bah, si j'eus cru... Alors, c'était une information qu'il aurait été intéressant d'avoir plus tôt. De quoi? Et il est transi, ah, je crois, pour... deux tours. Et ce qui est bizarre, c'est que ça sort pas... Ça indique pas la vulnérabilité au froid sur... Oh putain, tu nous as mis de la glace partout sous nos pâtons. C'était pas fait pour... Ouais, mais normalement il va faire fondre la glace, tout, voilà. Bon, j'ai essayé de voir si ça lui faisait plus mal qu'autre chose, mais pas vraiment. Ta merde, elle est invincible ou... même pas. Oh, bon, je peux... Ah! Oh, quelle tristesse! Putain, le mec, il esquive tout. Qu'est-ce que c'est? Comment ça? Allô? Oula, enchanté. Ah! C'est peut-être le moment là, de. Là, c'est peut-être le moment de counterspell. Oui. Ah bah j'ai bien de faire foutre avec ton sort de merde là. What the fuck? Calmez-vous, monsieur. Ça lui a pas plu, je crois qu'on bute tous les. Il est immunisé aux dégâts de feu toujours. Hein. Non mais là il est sous l'overcharge, mais normalement, vu qu'il n'y a pas de pilier. Ah putain ouais, il a la charge pendant 4 tours. Bah c'est déjà mieux que zéro. Hein. Ah non, il a 4 âmes à dépenser pour des sorts très puissants. Et je sais pas si le fait de le counter, ça retire la charge. Hein, je suis trop loin pour lui mettre une désintégration dans la gueule. Mais tu peux pas te rapprocher? Tu peux pas sauter? Non, si je saute, ça me fait une action. Non, sauter, c'est une action bonus. Une action bonus. Tiens, du con, là. Après, essaye de t'éloigner un peu parce qu'on est quand même relativement tous très serrés. Hein. YOLO 73, vas-y, moi j'aimerais bien pouvoir faire ça aussi. Toi, tu le fais en 5 coups. Ouais, mais le problème c'est que je les ai plus les 5 coups. Bon. Alors, attendez 2 secondes. Il est stylé comme ça hein, quand même. Grave. Bon, allez. Il est presque midlife. Oh, il non, est midlife. Ouais, là, on va le finir. Je l'ai stun, je crois. Ouais. Il a 2 hémorragies. Et il est à terre pendant 2 tours.
Je stun avec reverb, je crois. Mais d'où c'est passé à côté? Oh putain. Bah en fait quand ils sont par terre, ils ont avantage sur les jets d'attaque à distance. Enfin, t'as des avantages pour le toucher quoi. Ouais. Tourne Myrmidon. Je m'en suis rendu compte pile au moment où tu l'as dit. Pourquoi il s'est relevé? Médou 20 des 6 de feu. À chaque quoi. Fois que tu le counter, ça lui enlève pas sa charge en fait. Sans d'évocation niveau 6, ça sert à rien que je le counter, j'ai pas de. 20 des 6 de feu. En fait, quand tu lances un sort, un counter de level 3 ou. Enfin, de en dessous, en fait, si tu lances un dé. Et c'est, non, mais c'est sur un malentendu. Allez, je vais lancer un counter de niveau 3. Sur un malentendu, il one shot. Hein. Ouais, t'es pas mort. Hein. 33, c'est. Peu. C'est un peu triste. Hein. Tiens, du coup. Ça, putain, il s'est mis bien au milieu l'enculé hein. Il fait peur. Et là le brasier infernal c'est 6d6 quand tu rentres dedans. Hein. Attends, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux faire une intervention divine pour. Oh vas-y, créer... attends, je vais essayer de ça. Ah si, enfin, ça passe. On sort une arme légendaire. Ah merde non. Oh c'est ouais, que c'est... ça. C'était trop drôle, ça aurait été trop simple. T'as même l'intervention divine, ça a que 35% de réussir quoi. Normalement c'est. C'était quoi que t'as qui s'est passé là Il faut que je c'est dans le feu, si je reste dans le feu que ça fait beaucoup. J'ai tenté une intervention ouais, divine. C'est quand mais... tu restes dans le feu c'est 6d6. C'était pas. Ah bah quand j'en sors manifestement C'était pas famoso quoi. Ah merde, juste de toucher Katox. Attends si je me mêle là. Avec quoi? Je vais essayer de lui envoyer une orbe chromatique de froid. Bah vas-y, essaye, let's go. Ah, je pensais que ça allait avoir un impact sur le brasier infernal, mais que dalle. It's something. Que non point. Bon après, il lui reste 90 PV, hein. On va s'en sortir. Oh, oui, hein. Oh. Bon. Dans le doute. Voilà. Comme ça, normalement, au tour prochain, bah, il peut plus lancer de sort. Ouais, bien bon, il lui reste 61 PV, il atteindra pas le prochain tour. Hein. Bah, si, parce que. Je vais pas le tuer en fait. Bah, Katox, si. Non, mais il y a Katox. Ah, oui, c'est vrai. Allez, ça dégage. Eh bah, franchement, ça s'est tellement bien mis. Bon, hop là, ils sont où tes gants là? Il avait rien sur lui ou quelqu'un l'a loot super vite? Je l'ai déjà loot Katox. Il avait une armure lourde légendaire. Est-ce que je me pince ou est-ce que ouais, c'était bon? Je m'attendais à ce qu'il nous donne plus de fil à retordre. Oui, ouais, effectivement, mais tout à fait. Ah bah elle a eu un problème. Désolé, je l'ai buté tour 1. But my poor sister, Carilla. Oups. It is not right that she died. And that makes me want to weep an ocean. You don't know the half of what she did. When we were children, she always kept the last piece of pastry for me and bloodied the nose of the bullies who pulled my hair. She was my sister. But as a wise woman once said, there's no point in crying over spilt blood. We must go on. And despite all the years I've lost, I have enough love in my heart to guide you home. For the first time since you heard her voice, hope seems calm, and the peace flows from her into you, soothing your very soul. Nowhere but here. I don't quite think I know where anywhere else is anymore. With a lick of paint and a thorough cleaning, this could be a lovely little house. And I can hardly leave. After all, who would ever want to think of hell without
see Carilla again one day, and that she'll say sorry, and I'll tell her she's forgiven. I hope I find all the pieces of my mind that fell out of my head over all those years, and that I'll be able to put myself back together again. Oh. I hope the echoes of pain will fade, and memories of sorrow will die, and that you'll visit me here someday. And I hope. Dit-elle, un nain couvert de sang et de cendres. C'est ça. Ouais, c'est ça. Camp de capture d'âme. Ah, bah c'est ça alors, du coup. Oui. Et je les vends. Parfait. Il donne le vol. Elle donne vol l'armure. Elle a quelle gueule? Un pain de savon, je vous prie. Je voudrais savoir c'est quelle gueule elle a cette armure. Je pense que vous avez du tout looté pendant la cinématouille. Non, je suis en train de récupérer sur les corbions, mais ils ont du stuff de merde. Ah, franchement, elle est classe, hein, l'armure. C'est qui a mis l'armure? Bah, l'armure que j'ai là, c'est l'armure qu'avait Raphaël. Ouais, sympatoche. Ah, vous êtes considéré proficient quand vous la portez? Attends, vas-y, remets-la. Oh, mais je peux la mettre. Mais oui, vu que t'as ça te dit que même si t'as pas la proficiency, tu peux mettre l'armure lourde. Oh putain. Bah, j'ai 21 d'armure. Et tu incroyable. Peux pas être aveuglé. Oh lol, ah ouais. T'avais regardé, en plus 2 de constite. Par contre, tes gants et ton amulette, là, c'est... Je sais pas. Attends, ça se cumule pas. La constitution plus 20 jusqu'à... Donc les gants servent déjà à rien, parce que constitution plus 2 jusqu'à 20. Et ils dépassent rien qu'avec l'amulette. Mm. Ah oui, mais c'est pas ça qui est bien dans les gants, on va pas se mentir, hein. Clairement, on s'en fout de ça. Hein. Ouais, j'ai combien de constites là? Après, l'autre armure te file 2 de dex quoi. Oui, c'est pour ça. De toute façon, pour moi, c'est ça qu'il faut que je mette, c'est l'armure qui donne de la dex. Non. Mais alors, je sais pas vous, je trouve qu'on a quand même vachement bien géré ce combat. Non, ça devient très très bien sorti. Ouais, non, franchement, le fait de stun Raphaël, ça a clairement carry de ouf. Hein, Ça a tout changé. Et le heal, il a fait du bien. Ah, grave, le heal, c'était goldé. Hein. Ah ouais, t'es bien. Bah, l'armure, je vous la file, hein. Moi je la mets. Je l'ai déjà prise. Je la mettrai pas. Ouais, parce que toi t'avais une armure de quoi? T'avais une armure. Moi j'avais juste une armure en cuir plus 2, moi. Ça fait genre. ça fait genre 40 épisodes, j'ai une armure en cuir plus 2. Et maintenant t'as une armure de turbo bagarre. Voilà, j'ai 23 de CA. Et du coup, t'as filé les gants à Temir? Bon, qui veut une épée de merde là? Oui, il les a. Bon, non, merci, hein, c'est bon, tu peux la garder. Vas-y, non, tu fais combien maintenant au point? Au point là, pour la... Attends, je sais pas si j'ai tout mis ce que j'avais là, qui traînait. Pour l'instant, au point, j'en suis à 9 à 26, à 10 à 26 au point. Ouais, bah 10 c'est... à 26 au point, quoi, allez. Genre, sans armes. Sans armes. Sachant que si je touche une fois dans le tour, j'ai avantage sur toutes les attaques qui suivent. Oh, attends, je vais tester un truc, attends. Défait ton amulette, j'ai envie ou de tester alors, un truc. À chaque fois que je tape, je me heal de 10 PV. Au choix. Enlève ton amulette, j'ai envie de tester un truc. Deux. Toi, amulette, enlevé, comme ça moi, tester un truc. T'es sûr que tu veux garder le cadavre de Harlip? Tiens, Arda, je te file 3 bouquins là. C'est non, bah je vais le. Sachez que. Je suis officiellement le tank du groupe. Avec l'amulette. Ah, pas mal. J'ai quasiment autant de vie que, que le nain et j'ai plus d'armure. Il avait autant de vie que moi, hein, avec la mulette. Ah bah là, tiens, voilà, j'ai ça et plus d'armure que toi. Ah oui, ce que je dis, hein. Référence en amulette. Là, c'est parce que t'as pas encore t'as pas le shield encore turbo pété. Tu pourras après avoir un shield turbo pété ou tu... Ah, je sais pas si tu vas gagner encore plus un d'AC. Je crois que si, tu peux monter à 24 ou 25 d'AC, toi. Oh yeah. Donc oui, techniquement, tu seras meilleur tank que je ne le saurais. Tiens, Arda, je t'ai filé un autre truc à lire. Rapport sur Raphaël. Pour Raphaël. Si je la mette en vie.
Gortage, bien sûr, qui connaît bon nombre de secrets de la demeure et c'est... On quitte ? Je sais pas, on a besoin de rester ? Bah oui, non, on a tout usé. Je sais pas si on a tout loot. Ouais, on est bon. Pour moi, c'est bon. J'ai regardé, j'ai vu que des cadavres avec marqué vide. Hein. De toute façon, peut-être qu'on peut y retourner si jamais on a oublié des trucs, je sais pas. Je crois pas qu'on ait oublié des trucs. Donc là, tu vas les respect pour encore plus faire la bagarre ? Ouais, bon, je resterai aussi entre deux épisodes. Je sais pas combien de temps a duré le fight, en fait. Si, je vous fais confiance, je vais juste assurer mes arrières, c'est tout. Vous êtes un flageur mental, vous n'avez même pas m'en vouloir parce que je vous fais pas confiance, si. Ouais, elle est classe l'armure de près là. Ouais, y'a un style. Par contre, t'as moins le flow que avant. Ouais, le chapeau il bug un peu. Hein. Ouais. J'accepte de collaborer, mais je ne vous ferai pas confiance. Ah, depuis que je l'ai été, il est plus revenu vers nous. Hein. I'm disappointed to hear that. Nonetheless, our fates are bound. And in the absence of a happier union, I will accept a useful one. You may think yourself ingenious for having slain a devil, but you have merely ironed out a wrinkle. The Elder Brain will not be such an easy foe. It is time we resume our journey to find it. Alors, du coup, si on allait au camp... Pareil que j'ai un bouquin à lire. T'en as 4. Non, mais un bouquin, un vrai, celui avec des améthystes, tout ça. Un bouquin important. Sur lequel, mon coffre ? Il est où, Jackie le Vioc ? Bon, bah, si on parle, je vais récupérer. Attends, bon, on va tous au camp alors. Pourquoi est-ce que j'ai les coffres des personnages ? Je m'en fous de ça. Alors, j'ai un petit souci. Quand je cliffe sur mon coffre de voyage, je n'ai pas l'inventaire de mon coffre de voyage. J'ai Jaira qui s'affiche. Ah, pas, après tout. Ah si, ouais. C'est bon, c'est revenu. Ah oui, non, c'est vrai, parce qu'en fait, tu peux cliquer les inventaires des nouveaux trucs. Oh, ils ont tellement agrandi l'interface du coffre de voyage, c'est tellement plaisant. Oui, c'est kiffant. Hein. Oh, comment putain. Je fais pour le reprendre ? Moi, je vais en profiter pour aller vendre des merdes, là. Le casque que j'ai dans mon sac là, qui file, qui empêche d'être blind, qui permet de voir dans le noir, plus 2 au jet de sauvegarde contre les sorts et qui empêche de se taper des critiques dans la gueule, ça intéresse quelqu'un ou pas ? Allez, je dis le bouquin. Hein, Katox ? Non, moi, mon casque qui me donne plus 2 en charisme, oublie. Ouais, enfin, un truc qui t'évite de te prendre des critiques dans la gueule, c'est... Plus 2 en charisme, c'est ce qui... Ça me donne flat plus 1 à ma décharge occulte. Oui. Bah, ça fait plus 3, hein, c'est pas... Bah, c'est beaucoup. Est-ce que l'un de vous peut me guidance, me bless, me n'importe quoi ? Je peux pas te guidance, te bless ou quoi que ce soit. Mais t'as encore l'amulette pour le faire. Qui l'avait ? C'était Atemir qui l'avait. Je vais me la prendre, je m'en sers pas. Attends, j'arrive, hop. Moi je reviens, moi je vais vendre mes trucs. Tu vas avoir la. Tu peux cacher, ouais, bah juste là. Tu vas avoir la guidance d'un. d'un Warlock. Je vais par contre sortir par le balcon. Attends, j'ai un état en pleine félicité. L'entité affectée reçoit une joie intense qui lui communique un surcroît d'énergie et la rend plus docile. Elle bénéficie d'un avantage sur les tests physiques. Mais subit un désavantage sur les jets de sauvegarde contre les attaques mentales. Elle est également vulnérable aux dégâts psychiques. Oui, il y a un truc dans un coffre qui est comme ça. Bon, j'ai un degré de difficulté de 20. Et j'ai que je sauvegarde plus 2, plus 1, plus 1, plus 1, plus 4. Oui, s'il te plaît. J'ai un bonus total de plus 9. Ah bah, j'ai fait 2 fois 20. C'est bon. Succès critique, ok.
Allez. As you pass the strange glyphs, you can feel the book resisting. Ghostly voices whisper at you from the dark, probing and fighting your mind. But your will is iron, and you brush past these shades of the past, devouring every secret the book has. Ça se passe très très bien. C'est entre... tu fais quoi en fait là? Bah, t'es toujours dans le bouquin. T'as fini de respect toi? Pas encore, il me reste quelques niveaux à monter. J'étais en train de vérifier deux trois trucs. Vous en faites pas, tout se passe bien de mon côté. J'ai gardé le casque au cas où, hein, si jamais quelqu'un change d'avis. J'essaye de rattraper. Trois nouvelles mises à jour du journal sont disponibles. Notre ami Mulmir sur la partie. Qui m'a envoyé des sous-vêtements? APV, ah, tu. C'est peut-être moi. T'as mis le fit résistant, c'est ça? Non. Non, je parle en dommage. Non, pas en PV. Oh, les dégâts psychiques sont doublés contre moi. Alors, du coup, est-ce que ça a changé quelque chose le fait que j'ai relu le bouquin? Faut regarder. Je sais pas si je prends pas Luck. Luck, c'est quoi? C'est. T'as pas un truc en plus? Je vois rien. En même temps, je connaissais pas mon truc par cœur. Hein. Ou alors, je prends Sentinelle. Qu'est-ce qui se passe si je relis encore le bouquin? Ah bah le livre veut pas s'ouvrir. Je le renvoie au camp. Salaud. Je le mets dans le coffre. Bon. Mimir. Oui. Donne un chiffre. Sans arme. Sans arme? Bah tu dois être à peu près comme moi. Tu dois être à entre 23 et 30 de dégâts. Au max je suis à 28. Ah, je peux pas déposer le bouquin. Je fais un 12-28 là, sans arme. Comme ça là. Mais ouais, mais il faut que tu te battes sans arme toi. Ah ouais, bien sûr. Putain, ça fait plaisir ça. Et vu que tu tapes deux fois plus que moi, techniquement, tu fais autant de dégâts que moi. Et non, et c'est surtout que j'ai 20 CA aussi. Sans armure. Ça par contre, c'est incroyable. Bon, bah c'était très bien tout ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis en train de vendre mes merdes moi, et dès que j'ai mes inventaires qui sont clean, je suis OP pour repartir à l'aventure. Est-ce qu'on fait un long rest ou pas? Comme vous voulez. C'est vrai que si je suis à côté de deux ennemis, je fais 14 à 30 par contre. Le long rest, il vous est utile parce qu'on a deux short rests encore là. Ouais, alors moi j'ai pas besoin du long rest, je pense. Je vais utiliser ma restauration magique pour reprendre des slots. Hop là. What can I do for you? Hop là. Il me reste 3 sorts de niveau 1, 1 de niveau 2, 2 de niveau 3, 1 de 4, 1 de 5. Ouais, ça a bugué, attends. Attends, est-ce que j'aurais pas un autre bâton qui permettrait d'encore récupérer des sorts Moi je suis bugué là, je... Bon ouais. Je reviens... Ouais, je sais pas, ça me dit que je peux pas voyager dans ma condition actuelle, et j'ai voulu lancer le dialogue pour parler avec Daemon et y'a rien qui se lance. Je reviens. Je peux récupérer un spell de niveau 6. Et ça c'est... Avec la batterie arcanique. Oh attends, j'ai récupéré Danse Macabre, sort de nécromancie de niveau 5, qui crée 4 ghouls qui se battent à vos côtés. Mais c'est attends. Génial. Est-ce qu'on peut faire une petite sauvegarde là? Et je voudrais juste tester un truc. Ne bouge pas, Arda. Ne bougeons pas. Bon, laisse-toi toucher, tranquille. On a sauvegardé. Non. Comment ça? Ah bah, mais tu m'as raté! Mais. Attends. Mais comment ça? Ça me dit que je suis pas connecté à Steam. Pourquoi je ne sais pas. T'es mauvais, c'est tout. Ah. Et donc là? Ah,
J'ai tué un chien, je crois. Quoi? Ok, bah vas-y, tu peux recharger. Tu peux recharger. Ok, ça va être incroyable. Ça va être incroyable, c'est moi qui vous le dis. Hein. Normalement, oh, normalement, s'il y, si y a du menu fretin, il y a moyen qu'on s'amuse. Hein. Bah, en gros, normalement, l'idée, c'est je donne des coups de poing et après, je fais péter les gens. Et en faisant péter les gens se font mal. Et ça fait des réactions en chaîne. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air marrant. Bon, voilà, c'est bien. J'ai pas l'impression d'avoir gagné beaucoup de stuff, mais normal, au moins, je devrais moins mourir. Enfin, si, tu me diras, en vrai, j'ai eu deux objets à y péter, en vrai. C'est quoi le bonus max que tu peux avoir si t'as... Si quand t'as 20, c'est quoi? C'est plus 5 à 20? Je crois que c'est... Ouais, c'est plus 5. En fait, c'est par 2, donc... oui, c'est ça, c'est 5. Ouais, donc en vrai, potentiellement, tu vois, j'aurais pu... Ouais, mais les bonus, ils sont incroyables. Alors, Ado Bruni, un sort de nécromancie niveau 3, rayon de paralysie. Ouais, je suis trop bête, il faut que j'enlève tous mes points de constitution, en fait, j'en ai pas besoin, du coup, si j'ai l'amulette. Ça sert à rien d'avoir des points de constitution. Bon, bah c'est bien, je vais gagner des sorts supplémentaires. If you can manage the extra weight, that is. Tenue de débiteur, mais qui m'a envoyé des tenues de débiteur? T'étais pas en train de vendre des trucs, mon bon nain? J'ai bugué, je me suis retrouvé stuck dans le décor, donc là j'essaie de... Je sais pas, il y a mon Steam qui a crash en plus, donc j'essaie de relancer le jeu là. Mais oui, je vendais des trucs. Bah attends, j'envoie des trucs au nain. Parce que tout ça là, ça sert absolument à rien. Ah, ça me dit que je trouve pas le lobby. De faire un clic droit sur Atemir ou sur. Sur Katax. Ouais, hop. Non, je peux que regarder la partie, je peux pas. Je peux pas vous rejoindre, ça me met juste regarder la partie. C'est comme si je pouvais pas accéder au lobby de Katax. C'est chiant ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Bah du coup on va peut-être arrêter l'épisode là le temps que... Que ça se révèle la sienne. Là j'ai rien qui s'affiche. Ok, bah on va s'arrêter là. Oui. Yes. Vu que l'épisode d'avant avait duré plus longtemps, là on a fait déjà un beau coup. Je trouve que ce combat était quand même unidirectionnel hein, face... Oui, c'était... C'était nettement moins épique et douloureux que contre le vampire. On lui a un peu éclaté la tête, quoi. Non, ouais. Mais vraiment, hein, le coup de... Comment dire, le coup du stun, c'était... C'était la chose à faire. Je suis ravi que ça vous ait plu. Ah oui, c'était de toute beauté. Ah bah là, t'as été le GOAT. Ah oui. T'as carry grave. Carry la game. C'est ça. Allez, on clôt l'épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de nos aventures. On fait des bisous. Des bisous.